Je vous invite à noter parce que les bails pour nous connaître. Nous t'ai dit dans l'émission matin de et Guerrier Henry, bah j'ai oublié ça. Il t'a invité ici avec Jean-Ismaël Balestin, l'équipe de Boucanté de la Parole. Il t'a dit dans l'émission matin de débat que nous t'ai dit déjà dans Radio Signal que la vie du président Jovenel Moïse est en danger. Que le président Jovenel Moïse est en danger. Parce que comme petit nègre qui sortit dans la province, qui vient là dans Port-au-Prince, choisi par le président Joseph Michel Martelly, que classe bourgeoisie, donc rapatrié, quand il y a un monde Martelly, le président Joseph Michel Martelly, qui te voit très mal, et jusqu'à présent, je dis que ce petit nègre, ça, tête zo, qui cherche qu'on carreau, qui sortit dans la province, que le président Martelly te mette mes sous lui pour dire que c'est lui qui sera donc le prochain président de la République d'Haïti. Jusqu'à présent d'ailleurs. Eh bien, madame, monsieur, c'est quoi la situation? Tout ça nous est passé dans le pays n'a pas innocent. Tout ça nous est qui peut passer, qui a passé dans le pouvoir, Jovenel Moïse là, il n'est pas innocent et le pape jamais innocent. Il y a un hasard de ce qu'il a fait dans le pays. Et nous l'avons bien dit à l'émission Matin Débat. Je dis, hein, Jovenel Moïse, comme président de la République, a en fait une certaine redevance, madame, monsieur, envers cette classe économique. Et ceci, c'est tout à fait normal. Si l'on mange l'argent Chango, il faut payer Chango. Ceux-là qui avaient investi dans la campagne du président Jovenel Moïse, appartenant à cette classe économique, madame, monsieur. Gagne là-dedans qui est très frustré aujourd'hui. Hein? Gagne là-dedans qui est très déçu. Et gagne là-dedans qui décide de que Jovenel Moïse va faire 5 ans. C'est ça qui a passé dans le pays là. Il y a deux bagailles qui arrivent là, il faut nous faire très attention. Ou bien Jovenel Moïse nous a assassiné le pouvoir. Ou bien le président Jovenel Moïse a empoisonné pendant le pouvoir. Ou bien il y a une pression qui fait. Pour quitter le pouvoir. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Parce que il y a des frustrés dans le secteur économique. Hein? Parce que le président Jovenel Moïse voulait apporter certains changements et décider avec sa fougue, quel que soit Jean-Saïa Fokli, pour des changements dans le pays. Et ceci. Changement qui pendant intérêt certains secteurs donc de la classe économique, madame, monsieur. Notez pour moi ce lundi 16 juin à l'émission Matin Débat, ça que Mbaldine qu'on y a là. Il y a 4 contrats qui étaient passés sous la présidence du président Jocelyn Brivert. Comment bien? Jocelyn Brivert a bail 4 contrats à 4 secteurs clés dans le pays. 4 secteurs faisant partie du secteur des affaires, le secteur économique. Et le président Jovenel Moïse arrivé au pouvoir, il classe une question que la combatte 4 contrats ça, la combatte 4 secteurs ça. Et bien, mais toute bataille qui vient là, dans ça qui vient pas avec Jovenel Moïse comme président de la République. Moi, je sais que Gendelé, on est aussi président de la République. Mais avant, toute question de protocole. Mis à part toute question et un rapport avec une certaine retenue comparée et un rapport avec le poste de président que vous occupez. Mais pour la grippe, il faut pas vérité à la nation. Hein? Tout problème, Jovenel Moïse qui est là comme président de la République, parce que justement, il voulait que lui-même c'est le président et que c'est lui-même qui vous menait destiné pays. Eh bien, tout problème que quelqu'un a comme président de la République, c'est que il y a des contrats que quelqu'un a mené la Rodia, que le retirer dans des hommes d'affaires. Et que qui était déjà signé, adopté et avalisé par le président Jocelyn Brivert. Contrat numéro 1. Madame, monsieur, regardez les notes. En crayon, Maquille, vous êtes à l'émission Matin Débat. Vérité assez là, vous le parlez. Et cela l'a parlé, et cela l'a pas habitué à parler. Contrat numéro 1.
bon contrat qui a à voir avec la question frontière. Et je dis à liberté ou à gagner sur frontière là. Je dis, hein, question contre le bon correct. Jusqu'à présent, Jovenel Moïse pour capable de contrôler dans le pays. C'est à partir de ce contrat. Le contrat ça a monté 1 milliard 100 millions dollars américains. Sous plusieurs années. Jovenel Moïse décide de couper le contrat ça. Bon, qui est dans le secteur privé, qui a fait l'agence ça, qui parle d'accord avec Jovenel Moïse. C'est contrat numéro 1. 1 milliard 100 millions dollars américains. Signé par le président Justin Bouvier. Eh bien, Jovenel Moïse vini, il coupe contre ça. Il dit, bah, sa pièce. Et que l'agence n'est pas capable de gagoter. Donc, il sous-pays pendant des années. Contrat numéro 2. Contrat ça, il monte 1 milliard 900 millions de dollars américains. Qui contrat d'après nous-mêmes? Contrat qui passe sous gouvernement privé. Pour en partie dans le secteur privé, contrôler pour eux pendant 27 ans. Bon, nous connaissons, oui. Ici, on a maté des balles. Nous disons, nous avons pensé que c'est monté. Comme si. Pas de balles comme ça. 1 milliard 900 millions de dollars sous 27 ans. Ils ont parti dans le secteur privé, imposé à privé, que le signé. Mes amis, on peut faire un dossier. De si grande importance, comment fait nous pensons contre ça? Contre la défait, oui, les amis. Défait papier! Défait papier! Qui engageait l'État pour 27 ans? Pour on partir dans le secteur privé avec un contrôle douanier. Et la donne, monsieur, exigeait pour 8% de revenus douaniers, vine nos poches, la donne. Monsieur, exigeait pour 8%. De tout revenu douanier qui est dans le pays, vient dans la poche. Contrat monté 1 milliard 900 millions de dollars. Jovenel Moïse, coupez ça! Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Jovenel Moïse, coupez ça. Contrat numéro 3. Dossier import. T'es qu'on contrat dans import là? Monté à 289 millions de dollars américains. Qui passait sous le président Justin Bieber. Je viens de dire, ben, là, ça. Là, tu me fais évaluation. Il voit que c'est 130 millions de dollars. Contrat a dû coûter. Et puis là, regardez, il voit que le contrat a coûté 289 millions de dollars américains pour n'importe là. Je viens de Moïse, campé, ben, ça. Il dit, ben, ça, pièce. Mais une situation que Tinek qui sortit dans le nord-ouest là, n'est pas de père. Mais une situation Tinek qui sortit dans le nord-est là, hier, je dis là, avec le secteur des affaires, madame, monsieur, dans le pays d'Haïti. Quatrième contrat. C'est question courante. Jovenel Moïse reviser, remettre tout contrat ça en cause, sous table là. Et puis il dit qu'il a fait courant dans le pays d'Haïti. Il n'est pas capable de un secteur seulement. Il est ouvert dans ses courants. Gabel d'offre qui fait un très combat qui besoin. Eh bien, tout nègre là fâché ou vexé. Parce que courant, monsieur tape vendu à 40 centimes. Je me pose une possibilité là pour le vendre courant à 10 centimes. Madame, monsieur, mais 4 contrats. L'on prend ensemble deux comme ça, on lui fait en total, il y a un jeu sous 4 milliards 800 millions de dollars. Ok, mais ça gagne là comme bataille. Mais c'est que l'important pour le pays à connaître. Mais ça qui vient là comme bataille, mes batailles qui vient là. Mes batailles que Jovenel Moïse y est là dedans jodi comme président de la République. Maintenant qui bataille que il est là et nous te dit déjà dans l'émission Matin Débat. Est-ce que la privé gagne bataille ça? Est-ce que qu'on y a secteur privé à privé gagner raison sous président Jovenel Moïse. Madame monsieur, c'est quoi le plan de ce secteur de cette partie du secteur des affaires. Madame, monsieur, comprenez également que dans le secteur des affaires, il y a ce qu'on appelle les conservateurs. Il y a ce qu'on appelle les progressistes également. N'est-ce qui c'est conservateur dans le secteur économique, là, il va gagner pour avec le pays. Il est seulement là pour question de l'argent. C'est là qu'on appelle les progressistes.